Thierry Raffojeau, vous allez présenter Goût Baroque dans le quintet de mercredi à la Capelle. Le cheval n'a pas été revu depuis sa bonne performance du Critérium. Oh oui, c'est un cheval qui avait besoin de souffler après le Critérium. Et puis j'ai vu cet engagement-là qui était très favorable, donc j'ai préféré attendre, lui redonner de la fraîcheur et puis attendre cette course-là. D'accord. Alors justement, dans quel état physique va-t-il se présenter? Est-ce qu'il est déjà au top? Bon, oui, normalement, le cheval a été préparé pour ça, donc après ça fait beaucoup de kilomètres quand même à faire, donc on y va avec une chance, oui. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est un bon engagement. Bon, on a vu que c'est un cheval qui a fait beaucoup de progrès au cours de ces derniers mois. Hein. Ouais, et puis il est meilleur en course qu'à l'entraînement. À l'entraînement, il se casse pas trop la tête maintenant. C'est un cheval qui est assez cool à entraîner. Et arrivé aux courses, pas le même. D'accord. Il fait bien la différence entre les deux, quoi. Ouais. C'est un cheval qui aime bien se faire ramener et qui aime bien les courses sélectives. Hein. Après se faire ramener, après je sais pas s'il pourra aller devant, mais pourquoi pas, on sait pas. D'accord. Ça dépend du développement de la course, si le train il peut aller devant, quoi. D'accord, il est complet, quoi. Oui, Alexandre le connaît, c'est lui qui va improviser. Parfait. Donc vous attendez une bonne performance, quoi. Bon, oui, j'espère être dans les trois premiers. Mais...